Salut et bienvenue à tous. Nouvelle émission de votre programme hebdomadaire et culturel et artistique, Journal de la Culture. À ceux qui s'intéressent à suivre la vie culturelle et artistique en Égypte qui est riche et somptueuse, voilà une liste des événements et activités culturelles qui se déroulent cette semaine au pays. Le samedi 17 décembre, le Centre de liberté de distinction Alexandrie héberge un atelier artistique varié. Le dimanche 18 décembre, un spectacle musical pensant aura lieu au théâtre de l'Institut de musique arabe. Le lundi 19 décembre, le Centre d'innovation artistique au Palais de l'Emirtas réside un spectacle du troupe de tunique folklorique. Le mardi 20 décembre, la salle de Saïd Alouiche Alexandrie accueille un festival du Centre de distinction des talents. Et enfin, le mercredi 21 décembre, le Centre culturel de Talat Harb héberge un colloque sous titre de « Port Saïd, la terre des héros ». Le secteur des arts visuels organise une exposition artistique pour honorer le nom du grand artiste défunt Ismail Sami. Afin de rendre hommage à l'artiste défunt Ismail Sami, le secteur de Beaux-Arts au Caire a organisé une exposition artistique à la salle d'Isis au musée de Mahmoud Mourtar afin de nous présenter ses œuvres les plus distinguées. Thank you.
L'artiste défunt Esmaïl Semi est diplômé de la faculté de Beaux-Arts au Caire en 1961. Il était un membre au syndicat de Beaux-Arts, l'association de l'atelier du Caire et l'association des amis de l'art. En 1986, il a organisé plusieurs expositions artistiques à l'Université de Rome, l'atelier du Caire et la faculté de Beaux-Arts au Caire. Également participé dans plusieurs expositions conjointes comme le Salon du Printemps, le Marché des Artistes et l'exposition de Khen Karoun. Chaque peinture de l'artiste défunt Esmaïl Semi était caractérisée par sa simplicité, sa réalité et sa vitalité. Le grand artiste Esmaïl Semi est né dans un village égyptien. Il a vécu dans un quartier populaire, donc il a essayé dans la plupart de ses peintures de nous incarner la simplicité et les sentiments de cette vie populaire.
Par exemple, dans un tableau, l'artiste défunt Ismaïl Semi nous a présenté la valeur du travail à travers les paysans qui travaillent chaque jour dans le champ. Aussi, l'artiste était fasciné par la femme égyptienne, et son rôle soit dans la famille égyptienne ou sa société. Des idées et des thèmes variés ont été présentés à travers ces tableaux et ces peintures magnifiques, signées par un grand artiste égyptien. C'était l'artiste défunt Ismaïl Semi. Nada Ibrahim pour Journal de la Culture. Les voisins, c'est le nom donné à la dernière exposition de l'artiste Iman Hakim.
voisin était le titre de la dernière exposition artistique signée par l'artiste talentueuse Imen El Hakim. À travers les sentiments humains, l'artiste Imen El Hakim nous a présenté plus de 25 tableaux variés en taille. Le voisin est bien sûr une source d'inspiration très importante dans notre vie. Ce voisin peut être une personne, un endroit ou une situation. L'autrui est très présent dans notre vie, surtout la vie de l'artiste. Comme vous savez, l'artiste possède un point de vue un peu différent envers les situations et les sentiments. L'artiste aime incarner chaque sentiment dans une peinture. Par exemple, l'idée de vivre à l'étranger, le sentiment de nostalgie. Bien sûr, chaque personne aime son pays et sa maison, mais l'artiste concrétise cette situation d'une manière un peu différente. Le courant influent et expressif était le courant le plus dominant dans cette exposition organisée par l'artiste talentueuse Imen El Hakim.
Dans mes peintures, je suis fascinée par l'homme, ses sentiments, ses émotions et ses idées. C'est pour cela que j'ai utilisé le courant influent et expressif. Le voisin n'est pas seulement une personne ou une voix. Le voisin, c'est le Nil, le batelier, la charrette à âne, le café, le marché des légumes. Ça, c'est le voisin. C'est l'autrui, c'est notre vie avec ses petits détails. C'est notre vie en Égypte. Le voisin est un dialogue permanent entre nous et la nature. Le voisin était une exposition bien distinguée, signée par une artiste égyptienne, afin de nous incarner la vie populaire égyptienne dans ses moindres détails. Nadel Brahim, au Journal de la Culture. Eh bien, nous sommes arrivés, chers amis, à la fin de notre émission d'aujourd'hui. En promesse de vous rencontrer la semaine prochaine à la même heure. Jusqu'à ce moment-là, je vous souhaite de passer d'agréables séjours de la semaine.